et de nouveau sur TV et Radio de Vie. Nous sommes de nouveau sur TV, TV et Radio de Vie. Soyez les bienvenus, vous tous, qui nous suivez depuis chez vous. Nous sommes en direct. Que le Saint soit béni. Nous sommes euh, lundi, 20, 24 avril 2017, et il est 20h50, pratiquement heure de Paris, heure locale. Voilà, donc on va prendre rapidement un passage dans Romains chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 28. Romains 2, 28 à 29. Car le juif ce n'est pas celui qui en a les apparences et la circoncision ce n'est pas celle qui est visible dans la chair mais le juif c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes mais de Dieu. On va rapidement aller voir euh, l'étoge qu'un euh, pasteur est venu euh, déposer tout en confessant et euh, en renonçant à son ordination. Donc, il n'a pas pour l'instant euh, voulu témoigner à visage euh, découvert parce qu'il euh, qu subit des menaces. Euh, certainement, il va le faire plus tard, mais en tout cas, des menaces spirituelles, bien sûr, et euh, il risque d'avoir des menaces physiques parce que. Son père spirituel, parce que nous dénonçons bien sûr euh, la doctrine euh, des pères spirituels, c'est des pères dans de la foi, et encore là, il ne faut pas en abuser, il ne faut pas chercher à contrôler, à, à dicter des choses aux, aux enfants de la foi, mais plutôt à les amener à, à appliquer la parole, et euh, voilà. Et euh, donc, et, euh, son père dans la foi, qu'il a ordonné au ministère, soi-disant, parce qu'on ne peut pas être ordonné, c'est Dieu qui nous appelle, qui nous établit. Donc, cet homme qu'il a ordonné, qui a ordonné ce pasteur, ce jeune pasteur qui vient de me voir, et euh, Pratique euh, des sciences occultes, notamment euh, euh, des livres mystiques. Hein, euh, voilà. Et euh, donc, on ne va pas forcément montrer les titres pour ne pas que les gens aillent chercher euh, les titres de ces livres pour euh, devenir bizarres. Voilà. C'est des livres de la magie. Hein, magie. Euh, euh, voilà. Magie euh, juive. Voilà. Donc, euh, et ce jeune pasteur qui est venu me voir pour déposer ses affaires me disait que son père spirituel, et euh, quand il vient ici à Paris, il peut dépenser 15 000 euros en livres. Donc il va dans des librairies euh, ésotériques, hein, il va acheter des livres euh, de la magie. Et cet homme, donc, euh, qui. Qui est, est mystique, qui travaille à Kinshasa, qui a une grande assemblée là-bas, qui prêche dans toutes les grandes assemblées pratiquement là-bas, et euh, couche avec des jeunes femmes de son assemblée. Alors qu'il est marié, il s'amuse dans d'un certain âge, hein, et euh, un grand théologien là-bas, selon les hommes, et il couche avec des jeunes femmes parce que euh, ben, la magie qu'il pratique veut, n'est-ce pas, qu'il aille avec des jeunes femmes. Et c'est terrible, mes amis. Et ce jeune pasteur qui est venu me voir avec cet toge que nous allons de nouveau montrer, donc on va rester là-dessus, il est venu me voir avec cet oj. Il a dit en tout cas, je viens pour déposer ces affaires parce que je veux qu'on le brûle ainsi que les livres mystiques que j'ai avec moi et qui m'ont été offerts par mon père spirituel, par son père à lui bien sûr. Et et, et il dit également qu'il combattait. Hein, il ne croyez pas au message que nous prêchons, à l'évangile que nous prêchons. Le retour à la parole. Donc lui il croyait en la dîme, il croyait en l'ordination, il croyait en euh, n'est-ce pas des ministères sur Facebook avec photos, euh, photos des enfants, enfin, toutes ces choses que l'on voit hein, chez les bishops. Hein, ils exposent leurs enfants, euh, leur vie privée. On n'a pas vu mes amis Pierre exposer ses enfants sur Facebook, enfin, quoi que il n'y avait pas Facebook à l'époque. Mais en tout cas, même si c'était le cas, euh, s'il si y avait Facebook, on ne verrait pas Pierre. Exposer sa femme, ses enfants, sa famille, tout ça, c'est la confusion aujourd'hui. Voyez Et lui, croyant toutes ces choses-là, ce, ce jeune pasteur, et il n'était pas d'accord avec l'évangile que nous prêchons, comme beaucoup de pasteurs d'ailleurs. Mais comme il est de Dieu, comme il aime le Seigneur, il cherchait le Seigneur sincèrement. Et surtout, il a épousé aussi une femme qui, elle, avait reçu la vérité, et aime le Seigneur, aime la vérité. Et sa femme priait pour ce, son mari, priait pour, pour, pour lui. Et... Jésus l'a visité, a visité ce jeune pasteur. Jésus l'a éclairé et il est venu. Il a dit en tout cas, moi je combattais ce message, je ne croyais pas en ce message, mais Dieu m'a éclairé, Dieu m'a ouvert les yeux. Voilà ce qui se passe dans le milieu. Voilà ce qui se passe avec mon père spirituel. Et mes amis, son père spirituel, j'ai vérifié, il va prêcher dans beaucoup d'assemblées, voyez. Et c'est terrible de voir à quel point, mes amis. Euh, nos églises sont dans la confusion, le monde est dans la confusion, et euh, la vérité est décriée, la vérité est combattue, et euh, ceux qui l'ont, ceux qui dénonçaient Babylone hier, se sont associés aujourd'hui avec des impies. Hein, ils ont des comptes, comptes Facebook et euh, ils ont des photos leurs femmes, leurs enfants. On voit, c'est un mélange total. Hein, C'est-à-dire, c'est c'est la confusion. Ils sont mélangés avec des cabalistes, des gens qui pratiquent la cabale, enfin, qui pratiquent euh, des arts magiques, euh, et, euh, de la magie égyptienne, euh, babylonienne, tout ça. C'est terrible. C'est terrible de voir, mes amis, l'église du XXIe siècle, les églises du XXIe siècle, à cause de l'absence de la puissance véritable, l'évangile qui change, qui amène les gens à la conversion, à renoncer au péché à renoncer à la masturbation, à renoncer au péché sexuel, à renoncer à l'hypocrisie, à renoncer au mensonge, à renoncer au péché tout, tout simplement. Cet évangile-là devient rare. Et l'évangile qui est apporté aujourd'hui, c'est un évangile complètement édul édulcoré, euh, euh, mélangé, et, euh, un évangile complètement dilué, et, et, euh, et euh, avec ses associations des impies. Et c'est exactement ce que ce jeune pasteur, justement, faisait. Donc, il était en association avec d'autres pasteurs, certainement. Et il était le représentant officiel de l'Assemblée mère, hein, qui, elle, se trouve au Congo-RDC à Kinshasa. D'ailleurs, je vais faire certainement bientôt une émission encore pour parler un peu, de parler en, vraiment en profondeur de ce qui se passe au Congo-Kinshasa, pourquoi le pays euh, ben est dans cette situation-là. Et c'est la magie, la magie noire, la magie blanche, hein, la, la haute sorcellerie et rentrer, hein, euh, euh, la magie noire est rentrée dans le pays, la magie blanche, tout ça, euh, des arts magiques, des pasteurs, ce sont, mes amis, euh, ils ont fait allégeance à Satan, ils ont vendu leur âme à, à Lucifer, et ils vont divorcer, se remarier, aller avec des jeunes filles, des jeunes femmes, et, euh, particulièrement des jeunes femmes vierges. Et, euh, mais c'est des histoires, que, que, c'est terrible, je parle avec ces jeunes pasteurs, c'est des histoires terribles, mes amis. Il y a même des pasteurs qui pratiquent ces, pasteurs qui pratiquent ces arts magiques, vont jusqu'à à aller avec des femmes par derrière pour, pour se renforcer, pour accroître leur pouvoir mystique. Tout ça, pourquoi Pour avoir le pouvoir démoniaque, avoir de l'argent. Et c'est pour cela, frères et sœurs, si vous êtes dans les assemblées où il y a des pasteurs avec des toges comme ça là, quittez ces assemblées. Quittez-les vous avez vu pierre paul jacques et jean porter des vêtements mes amis sacerdotaux ça c'est la sorcellerie et ils vont beaucoup parler du sacerdoce royal tout ça ils vont beaucoup parler du shabbat ils vont beaucoup parler de voilà c est, c est, c est. ils vont souvent faire des pèlerinages leur pèlerinage en israël tout ça et euh, c'est de la haute sorcellerie ils vont vous vendre de l'huile tout ça de l'eau euh, des bijoux de, 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 des, des talismans tout ça ils vous vendent des, des objets soi disant pour vous protéger, tout ça-là, c'est de la sorcellerie. Vous êtes initiés par ces objets-là, par ces hommes et ces femmes qui soi-disant servent le Seigneur, servent le Seigneur. Ils vous initient ils vont vous, ils vous initient à la sorcellerie. C'est terrible. Jésus-Christ a dit, dans Romains 2, on l'a vu, Paul enseigne par l'Esprit, il dit que le juif, hein, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Or, ces hommes-là mettent l'accent sur les apparences. Costume, cravate tout le temps voyez, ils ont changé leur manière de s'habiller. <laughs> Tout ça pourquoi Parce qu'il n'y a pas l'onction, c'est simple. C'est parce qu'ils veulent attirer le regard, frapper le regard, mais il n'y a pas Dieu, voilà. Il faut trouver des combines, des voies et moyens pour pouvoir combler ce vide. voyez, c'est grave, frères et sœurs, que Dieu nous garde. Donc, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et, euh, et la circoncision, c'est celle du cœur. Et eux, là, du, ce sont des pharisiens modernes qui tuent les prophètes, qui lapident les enfants de Dieu, qui combattent les vrais serviteurs du Seigneur, et, 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 et qui les traitent de gourou, de sorciers, de magiciens parce que et, et, parce qu'ils n'ont pas pu, ils n'ont pas l'onction, ils n'ont pas l'esprit de vérité, voyez Il y en a parmi eux qui ont commencé des églises, qui les ont cassées et ils veulent parler de l'église. Vous allez parler de l'église alors que vous n'avez pas su diriger une église que vous avez eu à diriger. Mais vous allez parler de quelle église C'est comme si quelqu'un dit, moi je veux parler, n'est-ce pas, et euh, de la famille, du mariage, Comment bâtir un foyer solide alors qu'il a cassé son propre mariage Il a divorcé, mais tu vas parler de la famille alors que tu n'es pas exemplaire. Donc on ne peut pas parler de l'Église si on n'a jamais su diriger une Église, même s'il y avait trois quatre personnes. Si tu as tout cassé, tout le monde est parti. Mais tu vas parler de l'Église comment Donc on est dans cette confusion là aujourd'hui où mes amis Babylone récupère ses enfants. Ils se retrouvent entre entre prédicateurs de Babylone. Ils se mélangent parce qu'ils sont, ce sont des associés et les impudiques, les adultères, les divorcés, les remariés, les, 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 les casseurs, ceux qui ont cassé leurs propres églises et qui, ne se, qui se retrouvent sans brebis parce que les brebis du Seigneur sont dispersés parce qu'ils n'ont pas pu asseoir correctement les églises qu'ils ont commencé. Tout est cassé et ils accusent les autres d'avoir détruit les églises qu'ils dirigeaient. Donc, vous voyez, c'est tout ça là, tout, tout ce monde là. Donc, chrétiens, prenez vos jambes à vos coups, partez, courez. Jésus-Christ ne s'habillait pas de manière différente hein, des autres euh, des, des, des disciples. Hein. Il s'habillait tellement comme tout le monde que euh, euh, Judas, hein, pour quand il a trahi, il a dit hein, aux soldats romains, aux, aux envoyés des, des, des grands prêtres, celui à qui je donnerai un, un baiser, c'est lui. Hein, c'est celui-là qu'il faut arrêter. Vous Voyez. Donc c'est par le baiser que Judas a, a identifié, n'est-ce pas, a signalé, a, a, a définit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Or, s'il échoue à s'habiller en soutane et cravate, en costard et cravate tout le temps, ou en soutane, eh ben, Judas aurait pu dire, eh c'est le seul qui s'habille en soutane. voyez, Jésus n'était pas, pas comme ça. Il n'avait rien pour attirer nos regards, nous dit Esaïe 53. Donc ça là, le Jésus qu'on prêche dans ces églises, la soutanée là, c'est un Jésus, c'est l'Antichrist, c'est un Jésus démoniaque. C'est le Jésus que l'on voit souvent hein, sur ces Facebook, hein, sur Facebook avec tous ces bishops, tout ça là, avec Photoshop. Voyez, tous ces prédicateurs de malheur, c'est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. L'avènement du, 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 du net, d'Internet, a, Dieu a permis cela pour, n'est-ce pas, révéler les motivations des cœurs. Voilà, les ambitions ministérielles des uns et des autres. Et ça, ça conduit les gens à ça, des soutanes. Et ça les conduit à quoi À avoir des livres mystiques, hein, de la haute sorcellerie, ça c'est terrible, mes amis. Hein, et le titre de ce livre-là, mes amis, c'est Les portes de la lumière. Mais ça c'est terrible, les portes de la lumière, vous vous rendez compte, mes amis là Mais Jésus-Christ est, est la porte des brebis, il n'y en a qu'une des portes. Et là, on nous parle de plusieurs portes, hein, de la lumière, et euh, Yeshua est la lumière du monde. Donc, vous voyez bien, mes amis, il y a un souci. Et, euh, et euh, voilà, donc euh, c'est terrible. Et tu lis ce livre-là, mes amis, bah, tu te fais initier à la haute sorcellerie et tu commences à faire des sorties astrales. Voilà. Que Dieu nous garde. Et euh, ça, c'est des choses qui me révoltent quand je vois des choses comme ça, là, mes amis. Là. Et certainement, il faut payer ça il faut, faut acheter ce vêtement-là. Mais c'est pourquoi C'est pour se différencier des autres chrétiens. Voilà. Et, et, et il s'appelle, quand, quand tu t'habilles tu comme ça, là, ben, tu deviens, les épaules montent hein, naturellement, euh, euh, s'élèvent, les épaules s'élèvent naturellement, et puis là, tu deviens euh, le prêtre de l'assemblée locale, alors que nous sommes tous prêtres, selon les Écritures. Voilà. Donc, que Dieu nous garde, mes amis. Que Dieu nous garde. Et euh, le Seigneur disait aux Pharisiens Malheur à vous parce que vous aimez porter des longues robes. Hein, et c'est exactement ce que ces hommes et ces femmes font aujourd'hui. Voilà. Soyons simples avec la parole du Seigneur. Ouais, voilà, soyons simples. Mais non, à faire croire aux gens que les pasteurs, les bishops, euh, les théologiens doivent absolument s'habiller comme ça. Euh, je suis désolé, mais c'est pas ce que la parole nous dit. Voilà. Donc euh, que Dieu nous garde. Alors, je ne sais pas si nous avons quelqu'un en ligne, non Personne. Que Dieu soit béni en tout cas. Voilà, frères et sœurs, donc restons euh, dans la simplicité et euh, on va relire le passage de Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Car le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences et la circoncision, ce n'est pas celle, du, celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la chair, selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voilà.